Allô, allô. Est-ce qu'on m'entend? Alors là, c'est la bonne question, c'est est-ce qu'on m'entend? Allô, allô. Ah, attends, on n'entend pas le son du jeu déjà. Non, moi j'entends plus le son du jeu. Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Alex. On se retrouve pour du Rainman. On se retrouve pour du Rainman. On continue l'aventure de la dernière fois tranquillement. On va faire un petit live tranquillou. Je pense 13h jusqu'à 14h50 à peu près. Une petite presque petite 2h parce qu'on ira jusqu'à 15h, je verrai. Tac tac tac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je pense qu'on va continuer, les amis. Rain Man 1. Mais on va pas continuer les niveaux. Je pense qu'on va faire le 100% des 4 mondes là. Ah, il reste plus que 3 mondes à faire à 100% du coup. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui, les amis, tranquillement. Mais sûrement. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Sachant qu'il me reste plus qu'une seule vie. Il me reste plus qu'une seule vie. Et ça va être très compliqué puisque je sais qu'il me reste encore deux continues. Enfin, trois avec le zéro. Et ça va être très dur. Ça va être très 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 dur. J'espère qu'on va pouvoir faire ça tranquillement. Est-ce qu'on farme les vies? Ça, je sais pas du tout. Je sais pas du coup s'il y a un bug de live. On va actualiser mon chat. Hop. Ok, c'est bon. Bon, je pense qu'on va faire ça, ouais. Je pense qu'on va aller sur... Je pense qu'on va faire les mondes qu'on n'a pas fini à 100%. Après, je suis pas sûr. On va commencer par ce monde-là, d'ailleurs. Qui est le plus facile des 4 à faire. Et je pense. Ah là là, on est reparti sur du Rainman tranquillement. Bon, j'espère qu'on m'entend. Je sais pas du tout par contre si on m'entend. Comme il n'y a pas de modérateur ou personne qui peut me répondre à l'heure actuelle. J'espère qu'on m'entend en tout cas. On va se rappeler des caches qu'on a déjà pris. Alors ça c'est une question parce que je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout du tout du tout. Il me semble qu'on avait pris la cache qui était en haut. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je pense que je vais faire ça. Ouais, alors du coup, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va aller par ici tranquillement. Ah non, on a l'hélico. On a l'hélico en plus. Et ça c'est intéressant parce qu'on n'avait pas l'hélico la dernière fois qu'on était venu ici. Là avec l'hélico, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire des choses tranquillement. Ah ouais, yes, avec l'hélico ça va être parfait ça. Bon du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tranquillement les caches qui nous manquent. Alors je vais devoir faire un petit tour de tous les lieux parce que je me rappelle plus du tout. Je me rappelle vraiment plus du tout. Moi je vais voir. Je vais voir ce qui nous manque. Je me rappelle vraiment plus. Hop. Ah, c'est un. Il me fait dire chier ce truc. Ok, bon, alors on va attendre un petit peu. Je pense que je vais essayer de le battre en tout petit. Ah, c'est chaud. Ça va être très chaud. Hop. Ah, il faut trouver un moyen de le battre. Yes. En fait, la tactique, je pense qu'il faudrait que je me baisse et que je me relève au dernier moment. Ah non, ça marche pas. Ok, allez, ça part. Ça part tranquillement. Hop. Donc du coup, il n'y a pas de cage ici. Ah oui, d'accord, c'était le point ici. Oui, c'était le point doré. Je me rappelais plus trop. Mais je pense que je vais faire ça, je vais m'abaisser tranquillement. Hop, par ici. Hop. Ah, dommage. Je pensais qu'il allait avoir du premier coup le petit nuage là. Donc du coup, où il y a une cage ici? Alors, je sais plus du tout. Je sais vraiment plus du tout, du tout, du tout. Il me semble qu'il y avait une cage au niveau de la fin du niveau. Je suis pas sûr à 100%. Je suis vraiment pas sûr. Là, il nous manque en fait 3 lumps, on a une deuxième vie. Alors ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment le truc le plus cool à faire.
Après, je suis pas sûr que ça va être suffisant. Hop, je sais où les avoir, les lums. Hein. On va aller là-bas, tranquillement. Allez, j'espère qu'on va avoir toutes les caches du premier coup. Ce serait vraiment intéressant. Hop, yes, on va les avoir. On va avoir les deux lums qui nous manquent. On a une deuxième vie, ça c'est parfait. C'est vraiment parfait. Hop. Allez. Allez, c'est parti. On va essayer d'avoir le maximum de lums possible. Je voudrais vraiment récupérer toutes les vies que j'ai perdues parce que lors du dernier live, si je ne me trompe pas, j'avais perdu la plupart de mes vies sur le monde qu'on va faire juste après d'ailleurs, qui est le pire monde du jeu. Vraiment. Ce monde-là, il est chiant parce qu'en vrai, les plateformes sont toutes petites, elles glissent. Et c'est chaud. Donc voilà. On va essayer vraiment d'avoir toutes les cages. C'est vraiment cool. Enfin bref, on va essayer de battre ces deux petits trucs là parce que ça va être vraiment compliqué à les passer eux deux. Sinon, hop, go 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 go. Yes, super. Super. Hop. Hop. Yes. Oh, nickel, on a le nuage tranquillement. Oh, super. Du coup, on va essayer de descendre tranquillement. Hop. On va essayer d'avoir les caches qui nous. Oh mince. Bon, c'est pas grave, juste après il y a le P, on l'aura tranquillement. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Hop. Hop. Alors attendez, excusez-moi. Ok. Alors, du coup, je sais pas si je suis vraiment en live parce que j'ai l'impression que je suis en 0 depuis le début. Il n'y a pas de voicebot qui parle, etc. Je vais faire un petit test. Attendez. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Qu'il y a un bug. Et salut monsieur Pargo. Salut. Est-ce que tu m'entends bien monsieur Pargo déjà? Parce que comme j'ai pas encore eu de personne qui est apparue aujourd'hui, du coup t'es la première. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça c'est la première question que je me pose. Ouais c'est bon. C'est ça, c'est super parce qu'en vrai là je savais pas du tout. Du coup j'aurais dû faire un test avant mais vu que j'avais pas trop pu gérer et tout, c'était un peu compliqué, j'ai fait ça rapidement. J'ai dû quitter le live de Faror assez vite aussi parce que j'avais vu que j'avais perdu un peu trop de temps. Et du coup, je me suis pressé un peu de lancer le live. Comme je vais pas le finir trop tard, je vais finir avant 15h. Alors du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas le lancer maintenant. Puis j'ai prévu vraiment personne que je lançais maintenant. Je me suis dit je vais y aller comme ça. Puis c'est super. Hein. Ça t'arrive souvent aussi. Ouais, de fois de temps en temps, ça fait du bien de lancer des lives à l'improviste. Enfin, c'est pas l'improviste parce que je l'ai prévu sur le Discord, mais du coup, j'ai pas dit je vais partir dans 5 minutes en live ou quoi. Je me suis dit je vais vite me dépêcher de faire le live parce que je vais peut-être dormir après 15h. Du coup, j'ai récupéré ma nuit. Comme j'ai fait une nuit blanche, ça va être compliqué. Mais là, je voulais faire mon live parce que je l'avais promis ce live. Et moi, quand je fais une promesse, je la tiens jusqu'au bout. Je suis comme ça, c'est ma nature. En tout cas, bah, bienvenue à toi, Pargo. N'hésite pas, installe-toi. Hop. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est qu'on va essayer de faire toutes les cages du monde. Alors, je me rappelle pas de toutes les cages où elles se situent, mais je vais essayer de faire le maximum de cages. Ensuite, je vais essayer aussi de faire, le maximum de lums pour avoir le maximum de vie et perdre le maximum de vie aussi, parce qu'on a perdu plein lors du dernier live, dans le monde 2 d'ailleurs, qui va être assez chiant. Il me fait assez peur, ce monde, d'ailleurs. C'est le monde qui me fait le plus peur aujourd'hui, j'espère qu'on va pas trop galérer, que ça va bien se passer. Mais bon, faut être confiant, on va y croire. Faut que je farme des vies, tu penses? Ah, je me suis dit ça aussi tout à l'heure en lançant le live, je me suis dit, est-ce que je farme des vies? Est-ce que je vais quand même continuer le 100%? Ah, je sais pas, j'hésite. Mais toi, si tu me dis qu'il faudrait farmer des vies, c'est pas bête, parce que c'est vrai qu'on va perdre trop de vies dans le monde 2, là, qu'on va faire toutes les 400%. Parce que quand on n'avait pas l'hélicoptère, on pouvait pas avoir toutes les cages du coup. Mais là, maintenant qu'on a l'hélico, ben, on va pouvoir avoir toutes les cages, donc c'est parfait, super. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça tranquillement. Et ce sera parfait. Hop. Allez, hop. Bon, du coup. Ah oui, du coup, la cage, elle apparaît où? Parce que je sais qu'il y a une cage qui apparaît ici, mais je sais pas où elle est apparue. Ah oui, d'accord, c'est ce nuage-là. Ok, ok, ok. Du coup, alors, tac, ce que je ferai, je pense, sur un prochain jeu de plateforme rétro, je ferai le farm online pour être tranquille en live.
Ah oui, le format off live. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû peut-être faire ça, ouais. La prochaine fois, bah, peut-être pour le prochain live, si on a perdu énormément de vues aujourd'hui, je ferai peut-être ça. Je vais essayer de farmer un petit peu ma vie, entre guillemets, avec les lumps. On va essayer de faire ça. Ouais, du coup, ça marche. Ça marche, c'est super go. Par contre, pourquoi j'ai perdu le tambour? Est-ce que je me suis fait troller là? Est-ce que j'ai perdu le tambour, j'ai l'impression. Ah, il va peut-être apparaître, je sais pas. Ah ouais, non, ok, il fallait repartir, revenir. C'est juste un troll de sa part. Enfin voilà. Du coup, on va aller chercher la prochaine vie. La prochaine vie, la prochaine cage, excusez-moi, parce que je pense aux vies, là, on parlait de vie. Non, la prochaine cage. Qui se situe nulle part. Ah non, ici c'était la vie. Mince, oui, c'était la vie ici. Qu'est-ce que je raconte? Ok, oui. Le but c'est d'aller chercher les cages. Et là, c'est une vie ici, bah oui. Il y a une plateforme en plus exprès pour la vie. Et je l'ai vu en plus tout à l'heure quand je suis abaissé, là, qu'on a vu le nuage. Bon. À partir d'ici, je sais plus où sont les cages. Et c'est là que ça va être compliqué quand on arrive dans la difficulté du jeu numéro 2. Enfin, la première difficulté du jeu, c'est retrouver toutes les cages. Et le monde 1, je le connaissais autant bien par cœur qu'il le fallait. Ce monde-là, laisse tomber. Je suis vraiment le pire joueur sur ce monde-là. En niveau de cage, je ne sais pas du tout où les trouver. J'espère vraiment qu'on va les retrouver, les cages. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Bon, après, c'est un peu le but, hein. Ah ouais, mais non, du coup, non, ça sert à rien d'aller par là. Lui, il va me piéger, il va me faire perdre un grain de vie. Non, c'est risqué, c'est risqué. Hop. Allez, c'est parti. On va essayer d'avancer tranquillement. Lui, j'espère qu'il va pas me faire perdre trop de dégâts de vie, lui, parce que je le sens pas. Allez hop, tu t'en vas. Ensuite, on arrive où? Ah bon, on est là, on va se faire attaquer par les deux là. Allez, ça s'en va. Du coup, je pense qu'on va essayer d'aller là-haut. Ah non, je peux pas. Je peux pas parce que il faut un autre pouvoir encore, que je n'ai pas. Du coup, je sais pas si je peux avoir toutes les cages. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Faut voir. Ah, est-ce qu'on a le son du jeu d'ailleurs? Et non! Et on n'avait pas le son du jeu? On n'avait pas le son du jeu, non. Est-ce qu'on a le son du jeu là? J'ai un doute. Si j'avais le son, il me semble. Alors attends. Là, t'as le son du jeu. Est-ce que t'as le son du jeu? C'est pas gros. Non, non, tu l'as. C'est bon. J'ai un doute parce que je voyais pas le son du jeu apparaître dans ma barre de Streamlab. C'est normal du coup. Hop. Alors du coup, toutes les cages, ça va être le plus dur d'aujourd'hui, c'est de retrouver toutes les cages, hein, effectivement. Ça va être une mission intense. Ah, il y a une cage en haut. Mais je peux plus y aller. Il y a une cage en haut, mais je sais pas comment faire pour l'avoir. Il y a une cage juste ici. Alors, du coup, on va faire attention. Alors, où est la cage? Alors ça, je sais pas comment faire pour l'avoir, cette cage. J'ai un doute, du coup. Un peu, donc ouais, ça dépend de tes réglages, mais bon. Mais des fois, pardon. On a le doute. Ouais, c'est vrai qu'on a le doute, hein. En fait, quand t'as pas beaucoup de personnes qui peuvent te donner le retour, du coup c'est un peu. Bon, c'est comme ça, mais c'est un peu compliqué quand toi t'es en live, tu sais pas du coup si toi tu m'entends, si tu parles tout seul, et qu'on t'entend pas du tout. Mais bon, j'ai laissé mes réglages comme j'avais fait auparavant, du coup j'essaie de moins y toucher possible pour pas avoir de problème. Normalement ça devrait le faire. Du coup c'est parfait. Ah oui, du coup si je peux avoir. Ouais, ok, je peux avoir le P. Moi c'est de l'avoir le P, tiens d'ailleurs. Ah bah je l'ai eu. Oh bah nickel. Oh, il faut sauter comme ça, tu l'as. Ok. Pourquoi pas. Alors est-ce qu'il y a une cage à apparaître ici? Par contre, on a loupé une cage, je suis un peu dégoûté, mais bon. Je crois qu'on n'avait pas le choix, on est obligé de la louper à un moment donné, cette cage. Je crois qu'il nous faut encore un autre pouvoir. Alors, je suis pas sûr, hein. Mais je crois qu'il faut un autre pouvoir pour la cage qui est là. Et c'est parti. Nous, on va essayer d'avancer tranquillement ce troisième niveau où je sais qu'il y a une cage, mais alors, où? Bonne question. Ok, ça commence bien, je suis fail. Hop, je redescends tranquillement en bas. Sûrement. Le but là, ce serait de récupérer les caches qui me manquent en vrai. Mais le souci que je viens de me remarquer en pensant à ça, c'est que
dans le but. Je sais pas si on peut avoir toutes les cages. Parce qu'il y a des pouvoirs qu'il faut débloquer et que je n'ai pas encore, je crois. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va essayer de faire un test, on verra. Hop. Du coup, petite photo. Tranquillement. Hop. On va essayer de monter en haut. En même temps, monter en bas, ça sera un peu compliqué. Hop. On va voir s'il n'y a pas une cage ici. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait une cage par ici. Mais on va aller faire un tour parce que je crois que je l'avais fait dans la première fois qu'on a été ici. Bon, on va aller faire un petit tour. Attends, j'ai vu que t'avais envoyé un message. Je vais regarder juste après. Hop. Hop. Ah oui, c'est juste pour le P ici. Non, t'es sérieux, il y a autre chose. Ah non, c'est que pour le P en plus. J'ai perdu un truc bêtement pour le P alors que j'étais au niveau max. Et ils ont mis vraiment, ils ont mis une vie, je crois, ici. Hein. Ils ont dû mettre une vie, je pense. Je pense. Je suis pas sûr. Dans le doute. Du coup, ton message, j'avais vu. Hop. Il y a un trou en bas. Ouais, je l'ai vu, mais je crois que c'est un piège. Il me semble. Je vais le vérifier, tu sais quoi. Vaut mieux vérifier qu'après revenir pour rien. Alors qu'il nous manquera peut-être une cage ici, comme au premier monde, normalement, pour revenir en arrière. C'est un peu bête. On va tester. Bon. Alors, attends, par contre, si je perds une vie... Ouais, non, c'est vide. C'est vide. C'est vide. C'est officiel. C'est officiel, c'est le vide. Je l'ai vu de là, c'est le vide. Il n'y a pas de descente qui a été faite. Normalement, quand on s'accroche sur un rebord, on descend un tout petit peu du truc, enfin, du ta plateforme. Là, la vue, la caméra, elle a pas bougé. Du coup, je pense que y a rien en bas. Je pense que c'est un piège. Donc, je vais pas prendre le risque. Je pense que c'est un piège. Je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe peut-être, mais non, je me trompe pas. Je me trompe pas. Alors, par contre, où y a une cage ici, ça, c'est la bonne question. Puis pareil, il y a des lumps de partout. Il faudrait essayer de les récupérer au maximum. Ce serait vraiment intéressant. Ouais, et puis là, l'orage commence à m'attaquer de plein fouet. Là, on a l'hélico, c'est intéressant pour avancer les lumps. Hop. 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 On va essayer de récupérer le maximum de lumps, tranquillement. Ici, il y a encore des lumps. Je crois qu'il y en a encore là-bas. Ah, j'ai pas pu l'avoir. Bon, c'est pas grave. Hop. Tu vas le prendre en pleine face. Vas-y, ressaute. Ressaute une dernière fois. Allez, hop. Ça s'en va et ça revient. Ok, ici il y a un truc à turbo. Nickel. On y arrive tranquillement en vrai. Hein. Je stresse un petit peu parce que comme je suis fatigué et tout, je stresse un petit peu sur le jeu. Mais bon, ça va, on y arrive tranquillement en vrai. Hop. On va aller ici. Le petit P. C'est parfait, franchement c'est parfait hein, le petit P là qui arrive au bon moment. Hop. Je crois qu'il n'y a plus de lums. Ouais, non, il n'y a plus. On a plus trop. Ah, par contre, il est revenu. Ah. Monsieur la mouche. Allez, va-t'en. Ça s'en va. Je connais vraiment pas du tout Redman 1, sauf de réputation. Enfin, juste de réputation et des lives que j'ai suivi entre guillemets. Ok. Ah, tu me l'avais dit, je crois. Hein. Tu connaissais pas trop le jeu en soi. Tu connaissais surtout sa réputation. Bon, sa réputation n'est pas mauvaise. Hein. Aïe. Oui. Après, je pense que sa réputation n'est pas mauvaise, puisque c'est quand même un beau jeu, je trouve. Après, je trouve moi que c'est un beau jeu, parce que j'ai raison. Après, je sais que dans mon entourage, les gens qui ont joué à ce jeu, ils ont bien aimé, donc... Ouais, c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool. Hop, on va aller ici. On va essayer de monter tranquillement en haut. On arrive tranquillement à 3 vies. Hein. On commence à récupérer des vies, hein. T'avais pas tort de farmer des vies en off, ça aurait été mieux. Bon, là, on commence à les récupérer petit à petit. C'est bon signe, on va dire. Allez hop, on finit cette partie. On a récupéré par contre 0 cage. On ferme des navies là, mais on a récupéré 0 cage. On en a loupé une, sûr. Alors ici, je sais qu'il y a une vie ici. Il y a une cage ici, mais je crois que je ne sais plus comment l'atteindre. Je crois que je ne sais plus. Et je vais vérifier, hein, de toute façon. On va monter tranquillement en haut. Hop. Allez vérifier. Ah, je vais voir par ici, ouais, je crois que c'est par ici qu'il y a la vie. Ouais, je suis pas sûr. Hop. Peut-être que je vais louper des choses, hein. Ouais, j'ai loupé des choses en arrière, c'est obligé. Je vais revenir en arrière.
Ce que j'ai fait sur Beaten Kaitos. Attends, je te le dis. Hein. Oh, hop, oui, j'ai chaud. Non, j'ai chaud, je vais mourir là. Ok. Donc, j'ai vu. Alors, ce que j'ai fait sur Beaten Kaitos, j'ai farmé les XP en off pour améliorer mon personnage. Ah ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mettre au moins 5. Entre 10 à 15 vies Rainman, on a été tranquille pour aujourd'hui. Là le souci du coup c'est que là on cherche les cages mais à la fois on a peur pour notre vie en vrai. Du coup c'est double stress sur le même niveau tu vois. À chaque fois, ça c'est compliqué. Après c'est un mode de gérer hein, c'est tout. Hop. Là ça c'est calme aujourd'hui tranquillement. Bon, il y a des jours comme ça hein, c'est calme. Il y a des jours comme ça où c'est calme, mais franchement ça fait du bien aussi de temps en temps faire des... Ah cool, une cage. C'est du bien de faire des lives des fois quand c'est calme. Bon, y a plus personne, bon c'est un peu dommage. Bon, quand c'est calme, ça fait du bien aussi. Hop, on va descendre tout en bas. Alors je sais pas si c'est une autre cage que j'ai loupé. Ah peut-être ici, je vois un petit passage là, intéressant, attends. Hop, on va essayer de chercher le passage intéressant, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à découvrir. Je n'en sais rien. Hop, on va aller ici. Alors, est-ce qu'il y a une cage par ici? Bonne question. Après, j'ai fait de l'XP en off. Surtout parce que c'est trop long à suivre dans un RPG. D'accord. Ok, lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et ça s'en va. Je sais pas ce qu'il voulait, lui, mais ça s'en va. Hop. Allez, on va essayer de récupérer une vie ici, les amis. Je vais me concentrer. J'essaie de récupérer une vie ici, surtout que ça glisse le niveau. Comme Alice. J'ai le mot de merde. Hop. Allez, on va essayer d'aller tranquillement. J'ai vraiment envie d'avoir cette vie. Hein. Ok. Et je vois le parcours à quoi il ressemble après. Vraiment, il n'y a pas dur le parcours. Il y a moyen d'avoir la vie. Hein. Le pire c'est là si tu te trompes, ben t'es mal. Ça glisse de ouf. Ok, on a la vie. On a eu la vie, nickel. Ça c'est super, on gagne des vies gratuites. Et en plus avec les lames que j'ai récupérées, je crois que j'ai 4 vies. Je crois que j'ai 4 vies. Ah non, il manque 2. Il manque 2, ok. Hop, allez, il manque 2 lames et on passe à 4 vies les amis. On va, vraiment on va le faire plus tard le niveau qui est dur là. On va pas le faire de suite, je pense, on va le passer celui-là. Si on veut perdre toutes les vies là-bas, je vais encore être dégoûté. S'il faut, je vais louper des cages comme là, j'en ai loupé déjà plusieurs. Oui, j'allais me dire là, qu'est-ce que je fais là? Il y a l'homme juste ici, hop, 4 vies. On est bien, c'est tranquille. Hop, hop. Là, on esquive les deux tonnerres, enfin les deux coups de foudre qui nous lancent. Il va sauter. On met le coup d'esquive. Le second il va sauter aussi. Esquive après. Hop. Ça je connais un peu le niveau par cœur en vrai. C'est un petit peu. Oh là j'ai dit ça. Oh non non j'ai dit ça, je vais. Oh non. J'ai dit ça, je perds toutes mes vies. Je perds déjà une vie, c'est un peu compliqué. Oh non. Hop. Oh non, doucement. J'ai quelques lags sur mon live, ma connexion. Ah, parce que moi je vois pas de sur le retour, je vois pas de lag. Ouais, c'était ta connexion. Ah non, si par contre, si je perds toutes mes vies ici, les gens. Pff, non, je viens de farmer. Oh là là. Y'a pas un P? Ah si, y'a le P en dessous là, juste ici. Ok. Ok, on va essayer de récupérer la vie qu'on vient de perdre. On va dire que c'est pas de nos paniques. Tout ce qu'on perd, on le récupère. Et les chances d'une quoi instable. Ouais, je pense pas que c'est de mon côté. Enfin, s'il y a des lags, mon streamlabs il a pas l'air de bugger de mon côté. Enfin, je vois pas bugger. Et pareil, ma connexion elle est parfaite la journée, donc ça m'étonnerait. Après, c'est possible, hein. Je veux pas dire, je veux pas grogner le contraire, mais ça m'a étonné. Ça m'étonnerait quand même. Hop. Ok, ici on a eu la cage tout à l'heure. Hop, on récupère les lums. Le P, qui est intéressant à récupérer. Bon là j'avais pas trop besoin quand même. T'aurais eu une alerte. Oh non. Ouf. Ouh, la caméra d'Alibaba qui m'a sauvé la vie. Dis-moi qu'il y a une cage. Oh, elle m'a sauvé la vie, je croyais que j'étais mort. Oh, ça m'a sauvé la vie, la caméra d'Alibaba qui apparaît d'un coup.
Non mais c'est énorme ça. Oh yes. Allez, on va essayer de récupérer la vie qu'on a perdue. Hein. Parce que vraiment, on l'a perdu bêtement cette vie. Hein. C'est pas mérité. Allez, pourquoi je l'ai perdu la vie déjà? Ah oui, parce que j'ai sauté trop tard à un moment donné là. Un peu au-dessus. Ouais, vers ici, là, un peu plus au-dessus, je suis tombé, je suis mort bêtement. Ça joue en ma faveur. Je pense que c'est ça aussi. Hop, allez, vas-y, fais ton turbo, hop. Décolle. Ok, pas le fou. On va pas faire le fou. Ouais, je suis mort. C'est bon, j'ai dépassé l'eau, je suis mort. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je crois qu'il y a une vie, il y a une cage ici, je ne suis pas sûr. Ok, combat mort. Allez hop, lui contre moi. Pourquoi? Il y a quoi la récompense au bout? Il y a même pas de vie, il y a rien. C'est pas ce que c'est la récompense. Allez, vas-y. Reviens, reviens. Hop. Ah, il m'a mis toutes les fins. Il m'a mis toutes les fins du monde. Hein. Et en plus, il est parti hors map. Bon, je la rattrape. Il est parti hors map. Bah, viens. Il est parti hors map. Il m'a mis. Il m'a mis limite un vent. Regardez. Il est hors map. Oh non, il est hors map. Non. Non, c'est un bug du jeu ça. Ah non, c'est bon. Oh, c'est bon. J'ai flippé, je l'ai vu, il était hors map, j'ai dit ça y est, on est bloqué. Ouais, je pensais qu'on débloquait les picots juste en dessous, en fait non, on les débloque pas en vrai. Donc c'est bon. Allez, yeah. Yes, yes, yes. On a récupéré une cage. Et c'est la fin du niveau, je crois. Ah non, il y a encore deux trucs, il y a encore deux trucs, deux étapes. Ok, ici c'est pas pour maintenant, et je sais qu'il y a une cage par ici. Là, je la connais cette cage ici. Donc normalement, on devrait pas la louper, hein. Normalement, on devrait pas la louper. Après, rien n'est dit d'avance. Il se peut qu'on la loue quand même. Ce serait dommage. Hop. Oh non, j'ai perdu une vie ici. Ah, dommage. Je ferme toutes mes vies pour les perdre. Ah, je suis dégoûté. Bon, on va se concentrer. Je suis désolé, hein, je vais me concentrer un petit peu. Hop. Oh non, 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 non. Attends, je sais qu'il y a une plateforme ici. C'est bon. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une plateforme ici, c'est pas perdu. Allez, vas-y. Ramène-nous, je sais pas où. j'ai eu de la chance, hein. Là, je pensais que j'allais mourir, hein, entre toi et moi. Je me suis dit, là, c'est ma dernière heure pour moi, là. Non, c'est bon. Et je pensais que... Ah, d'accord. Il y a une autre plateforme qui passe par ici, très bien. Ok, je retiens. Il y a deux plateformes ici. Ok, non, ça c'est bon. Alors ça c'est pour plus tard. Il faut être minuscule pour passer parce qu'il y a une hauteur entre deux. Ok, d'accord, il faut remonter en haut pour recommencer le niveau. Très bien. C'est ce qu'on va faire de suite, les amis. On va remonter en haut. On va repartir tranquillement. Et on va essayer de récupérer le maximum de lums pour récupérer le maximum de vie. Ce serait vraiment cool. Franchement. Parce que c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. C'est de récupérer le maximum de cages. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, on a le point doré. Alors ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ouh. Allez, on se concentre. Parce que celui tout à l'heure qui m'a fait tomber. Celui qui m'a fait tomber tout à l'heure. Putain, il pop au bon moment, lui. Hein. Il est malin. Il est très, très malin. Il est intelligent. Il savait que j'allais me le prendre. Ah oui, en fait, ce qui se passe ici, si je fasse ça, je crois. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est des choses qui arrivent. Elle repart. Tant pis, c'est pas grave. On en retrouvera plus tard des vies, hein. À un moment donné. Après, je farmerai des vies en off, hein, t'inquiète. Spargo. Je ferai des vies en off, je pense, parce que là en live c'est trop dur de farmer des vies en live et me concentrer en même temps sur notre mission qui est les cages. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est toujours le même qui me fait tomber. Hein. Je sais pas qu'il a quoi contre moi celui-là, mais il me fait toujours tomber. Hein. Allez hop. Allez, j'espère que ça va bien se passer. Pas de pression, on va y arriver les amis. Allez hop, lui il part de fuite. Ouf. Hop, on va se concentrer un peu.
Allez hop, on va aller récupérer un truc ici, je sais pas ce qu'on va voir. C'est un petit conseil, après c'est pas très grave. En fait, le souci que je rencontre, c'est que là, en vrai, je vais avoir un si j'ai tous mes game over, je recommence depuis la dernière sauvegarde. Et il faudrait pas recommencer depuis la dernière sauvegarde, parce que si c'est le cas, on va dire que je perds... ouais, si, on va dire que je perds quand même beaucoup dans l'histoire. Je perds du temps, etc. Et là, je pense qu'on va reboot. Safe state. Ouais, c'est vrai. On va reboot, les amis. Hein. On a perdu une année continue ici. On va reboot. C'est pas très grave. Ouais, de toute façon, c'est un jeu où je vais finir à 100%. Donc, ça va être. Il y aura beaucoup de reboot lors de ce live. Il faudra s'y attendre. Hop. Et je peux pas reboot. C'est super. Donc, j'ai une autre façon de reboot. C'est comme ça. On recommence. Non, parce que là, moins de 2 game over à ce stade là, c'est un peu compliqué. Autant les garder pour la fin du jeu en vrai. Bah, c'est vrai, on va essayer d'accélérer un peu le rythme parce que là, on recommence les. Ça m'embête vraiment de recommencer. Tout ça, c'était une mort bête et inutile. Donc, on va essayer de refaire ça tranquillement. On va recommencer tranquillement. C'est vrai que. Bon, après, c'est vrai que mon live vient un peu tôt. Je l'ai fait très tôt. C'est l'heure où les gens ils mangent. Quand ils sont en stream, les gens mangent à 16h là. Mais voilà, je peux pas le faire autrement. Mon live, c'était soit je le faisais aujourd'hui de 13h à 15h. Ou alors soit je le faisais que jeudi, à partir de jeudi. Alors que ça refait presque une semaine jeudi, j'aurais pas fait de live. Je voulais faire un peu de live quand même. Et puis mardi, mercredi, j'aurais pas pu live. Des jours où je vais pas aller beaucoup sur Twitch de base sauf le soir, donc du coup je voulais le faire maintenant le live, je voulais le lancer à cette heure là. C'est vrai que c'est un peu tôt hein. Bon, j'aurais pas fait une nuit blanche, j'aurais retardé le live, j'aurais fait 15h 17h ou 16h 18h. Et bon là on va pas se mentir que j'ai préféré choisir 13h 15h, c'est vraiment chaud que j'apprécie particulièrement. Allez hop. Est-ce qu'on commencerait pas par un autre monde pour commencer? Je pense qu'on devrait peut-être commencer par le gong céleste. Qui est pas si dur que ça en soi. On va commencer par un autre monde, ça change un petit peu parce que si tu veux faire le même monde, ça peut vite vous dire merde, ouais, c'est sur le même monde. Allez hop. Hop. Yes, nickel. Tout ça pour un point. C'est super. Je sais qu'il y avait une plateforme ici, je l'avais vu depuis avant, hein, je l'avais vu. Hein. Mais je savais pas qu'on allait avoir un point, je pense qu'on allait avoir une cage ou une vie. Et non. On n'a pas le droit à l'erreur dans ces mondes-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'une erreur, tu tombes dans le vide. Tu tombes dans le vide, tu meurs, tu perds une vie. Ah, on n'a pas le droit à l'erreur, les amis. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est ma faute. Je suis désolé. Hop. En plus, on va récupérer le point, on l'a plus le point. Allez, on recommence. Pourquoi j'ai plus qu'une vie? Ah oui, parce que j'ai farmé dans ce monde. Oh, dur. J'ai farmé. Allez, c'est parti. On va se concentrer. On va en faire attention, il faudrait pas recommencer tout le temps le jeu. Yes. Oh, nickel, on a une cage. J'espère vraiment que... Ah, il ne manque une seule cage. On va faire attention. Il ne manque qu'une seule cage. C'est-à-dire que dans une cage, on a fini ce monde. Ah oui, c'est moi ou... Oh non. Hop, on connaît le rituel. Ah, j'ai un peu de reboot, là. C'est pas normal. C'est pas normal, ça prend pas que je fais ça. Attends, reboot. Ah non, c'est pas normal. Enfin, oula, je joue plus le jeu. C'est quoi ? Ok. Ah, c'est pas normal. On voit plus le jeu. Ah, c'est bon. Des fois, il y a le jeu qui bug. Sur émulateur, normal. Des fois, on a le jeu qui bug. Ça fait pas plaisir, mais en tout cas, va falloir que je me concentre vraiment un peu plus précisément. Enfin, il faut vraiment que tu sois plus précis, que je m'applique un peu dans mes gestes, etc. Je suis un spécialiste du bug.
Je ne dirai rien. Ouais, on n'a pas de chance d'arriver avec les bugs. On a pas de chance avec les bugs. Alors du coup, oui, pour discuter un peu avec vous, en tout cas, ceux qui sont sur le chat ou en replay. En gros, pour Ratchet & Clank, j'aurais bien voulu ce week-end faire le Ratchet & Clank 1. Et je vais peut-être faire du Dofus aussi. Une streameuse dont je citerai après le nom. Ça m'a donné envie de jouer à Dofus en live. Et je vais peut-être le faire avec un de mes modérateurs. Qui... Je vais lui proposer, hein, je pense qu'il va pas être. Va pas refuser. Quelqu'un que je connais qui est dans la modération, qui joue à Dofus depuis très longtemps et qui est très très haut level sur ce jeu. Et je lui ai demandé qu'il m'aide sur certains trucs, etc. Donc, je vais essayer de voir avec lui si on peut faire du Dofus ensemble en live. Oui, effectivement, Fafor qui m'a donné envie de jouer à Dofus. C'est Fafor de Firon. Mais ça m'a donné envie de faire du Dofus, et c'est exactement. En vrai, c'est parce que je trouve que c'est un jeu que je pourrais faire de temps à autre. Je dis bien de temps à autre. Je dis pas que je vais finir le jeu le maximum possible, puisque c'est infinissable ce genre de jeu. Mais au moins avancer un petit peu de temps en temps, ou garder des lives de temps en temps, peut-être pas tous les lives vont faire du Dofus, on va faire peut-être un tous les mois, un tous les deux semaines, j'en sais rien. Un tous les trois semaines, peut-être un tous les ans, parce que si personne n'apprécie Dofus, on changera de jeu. On verra, on verra. Là j'ai déjà une personne qui est chaud pour jouer avec moi en live, donc c'est déjà pas mal. Je sais qu'elle veut rejouer avec moi en tout cas, et je pense que je le reprends en live, et je pense que je vais aussi lui dire que j'ai encore perdu une vie. Honnêtement. Voilà, c'est le stream du. En fait, là, c'est le stream. J'aurais dû l'appeler le stream de la défaite. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir progressé d'un peu depuis que j'ai commencé le stream. J'ai l'impression que j'ai fait 42 minutes de live, les 42 minutes où j'ai fait carrément quasiment que des conneries sur conneries, quoi. Voilà, après, je suis fatigué aussi, hein, ça joue un peu aussi. Mais bon, ça justifie pas tout. Je pense que je suis pas assez concentré. Non, ok. Ok. Je suis pas assez concentré, c'est officiel les amis. On va y arriver. On va y arriver. Oh non, je vais encore tout casser mon live. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon chat il bug? Au secours. Ok, c'est bon, j'ai tout réparé. En fait, quand je fais un misclic à côté, du coup je perds le live. Alors du coup c'est un peu compliqué. On va dire. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de musique dans le jeu, ça aurait fait un peu plus d'ambiance. Pour le prochain live, ce sera le dernier live où il n'y aura plus de musique sur Rainman ou un jeu, je mettrai un song request. Quelque chose qui, tu vois, qui, enfin, vous voyez plutôt, qui fait un petit peu plus de mouvement aussi. C'est vrai que c'est un peu calme, il y a ma voix qui est là, il y a un peu le son du jeu. Un song request supplémentaire, ça ferait un peu plus d'ambiance, je trouve. C'est un avis. C'est dur de se concentrer en live, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est dur, hein. Là je suis pas assez concentré, puis ça joue un peu avec la fatigue. Je pense que je suis pas au meilleur de ma forme, du coup ça joue un peu. Une playlist YouTube, ouais, bon, après je vais me mettre une playlist YouTube. Après je sais pas comment on fait une playlist YouTube sur... playlist YouTube, je sais pas comment on fait sur Streamlabs. Je sais comment on met une playlist depuis son PC, mais sur YouTube je ne sais pas du tout. Du coup c'est pour ça que je l'ai pas encore fait de mon côté. Ça. Mais j'avais pensé à mettre en début de live un clip, ou en post mettre un clip animé. Et aussi mettre les sons requests quand c'est des jeux où il n'y a pas de musique, où c'est calme, où c'est un jeu rétro. Mettre quelque chose qui met dans l'ambiance aussi. Enfin, après, c'est un avis que j'ai. Chacun voit à sa façon. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, après. Ça mettrait plus d'ambiance, mettre le son du jeu, etc. Plus un son request, plus le son de ma voix. Ah, voilà. C'est ce que je pense. Allez, hop, on recommence. Hop. Allez, on va se concentrer un petit peu plus cette fois. Hop, on va se baisser cette fois. On va pas se tromper. Ok. Non. Faut revenir en arrière, il y a une cage. Attendez, il y a une cage ici. Alors, avec le son du jeu, tu lances YouTube à côté, c'est fait. Alors, oui. Alors, le souci que j'ai à l'heure actuelle sur ça,
C'est que la plupart du temps, quand il y a Google qui démarre, ça bug. Là, du coup, c'est pour ça quand par exemple en fin d'année, j'ai envie d'aller raid quelqu'un, ben, du coup, comme la dernière là, je dois essayer d'aller rouvrir la page, tant que ça charge parce que c'est long. On perd 10 minutes à attendre pour le raid. Et du coup, c'est compliqué. Je vais voir pour me faire une playlist personnalisée après Spotify ou pas. Je ne sais pas. On va voir. Ah ouais, Chrome est assez gourmand. Ouais, c'est vrai que ça bug à chaque fois Google Chrome quand je suis en live. Quand je suis en live, je vais aller voir sur Internet d'à côté, ben il bug à chaque fois, il bug. C'est abusé. À chaque fois, il me plante à la gueule. C'est énorme. Hop. Allez, on va se concentrer un peu plus. On va essayer d'avancer. Allez, on va y arriver. Ok, là je peux le faire, mais il faut que je fasse l'hélico. Ok. Nickel. Et on y arrive là. Là on y arrive un peu mieux. Ok, nickel. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, oh non, s'il te plaît. Le jeu qui m'a troll encore une fois. En plus, il n'y a même pas de sauvegarde, je viens de tout début. C'est pas grave, on va recharger la sauvegarde depuis ici, ça va aller plus vite. Oh non, ça va être un live fail. Parce qu'il y a beaucoup de fails aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de fails hein, entre les sauts de Redman qui sont ratés. Les relancements de jeu qu'on fait. Ah non, dis-moi pas que j'ai sauvegardé. Je viens de sauvegarder au lieu de charger la partie. Viens de sauvegarder au lieu de charger la partie. Oh non, t'es sérieux. Oh là là. Pas grave. On va essayer de se rattraper les gars. Hop. Allez, on va essayer de se récupérer tranquillement tout ça. Tac, tac, tac. Allez, on va y arriver. Je déteste ce jeu à partir de maintenant. À partir de maintenant, le jeu, je le déteste. Tu sais quoi? Je vais lancer Rayman aussi de mon côté pendant ton live. Ouais, vas-y, pas de soucis. Hein. C'est de découvrir le jeu de ton côté, hein, t'as raison. T'as vraiment raison, mon ami. C'est ça. Hein. Je te regarde et je partagerai ta souffrance. Mais en vrai, je pensais pas qu'il allait me faire galérer autant le jeu, là. J'ai un doute sur ma... J'ai un doute, hein. J'ai un gros doute. En plus, j'étais sauvegardé comme un bébête au lieu de chercher la partie. Oh là là. Bon, on va y arriver. On va éviter d'abandonner maintenant. Hein. on va continuer, tant pis. Hop. Allez, on est reparti. Allez, français. Excusez-moi, il va couper le son quand je tousse. Je ferai ça la prochaine fois. Allez, c'est parti, on repart sur le jeu une nouvelle fois. En espérant que... Oh, il y a un souci. Ah, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc, je pense que c'est bon. Je pense qu'il y a eu un problème sur le live. Excusez-moi d'avance. Allez, on est reparti, les amis. On est reparti tranquillement. On va cette fois, on va essayer de faire ce niveau-là. Il y a eu un bug, monsieur Pargo, du coup? Parce que je vois que tu me dis re. C'est pas bon signe.
Il y a un bug de live. En effet, ça a coupé. J'ai une perte de connexion d'un coup, pendant quelques secondes. En gros, je suis redescendu à moins de 2 mégabits seconde là. Gros fail du jour sur mon live. Mais c'est pas grave, ça arrive. Hein. D'accord. Bon, on repart sur ce monde là. On va retenter une seconde fois ce monde là. La quantité de fois l'autre monde. J'espère vraiment que cette fois on va pas me rouvrir comme des bébêtes en vrai. Parce qu'on a perdu. On a perdu à peu près 5-6 vies bêtement. J'espère que cette fois ça va aller un peu mieux. On espère. Allez, on est reparti. Hop. Il y a moyen qu'on y arrive. Hein. Il y a moyen qu'on y arrive. Hop. Ok, faut aller en arrière. Faut que j'en aille en arrière, j'ai loupé une cage, j'en suis sûr. Je crois qu'il y a une cage ici, mais je sais pas si je l'ai déjà eu. Ah non, il y a le P, oui, je reviens ici, il y a le P, attendez. Allez, on récupère un peu de vie là, on a plus que 2, 4 ronds et 0 vie, on va devoir rebooter une nouvelle fois s'il y a un problème. Il ne manque que 10 lumps en plus. Si on a les 10 lumps, les amis, c'est parfait. Allez, j'espère qu'on les verra. Hop. Et j'y crois. Hop. Alors, qu'est-ce que. Tu te souviens de la série animée Rainman? Alors, pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait une série animée sur Rainman. Je savais pas du tout. Ça me parle pas beaucoup. Cette série animée qui est sortie. Hop. Ah, ça me parle pas du tout. Mais je sais pas. Bon, je connais les noms des jeux Rainman puisque je connais assez bien Rainman. Par contre, je connais pas du tout les séries animées, tu me dis? Sur Rainman. J'imagine pas le truc. Ça n'a pas marché, donc j'ai dû faire quelques épisodes. Ah oui, c'est vraiment c'est temporaire. Alors, on recommence. Premier niveau fini, on repart pour le deuxième. Allez, on y croit. On y croit de tout cœur, moi j'y crois toujours. On va y arriver à avoir ces cages. On va réussir à tout récupérer le 100% sur ce jeu. Ce serait magnifique, franchement. Allez, c'est parti. Allez. On va essayer de s'occuper de lui, là, la petite sauterelle, là. Parce que lui, il est hyper chiant, Rumbo, ça. Allez, hop. Et hop, ça c'est bon, on saute les deux petites. Les criquets, on dirait les criquets, les volants. Donc, où sont les cages qu'on avait récupérées dans le début de live? Je ne m'en rappelle plus du tout. C'est sorti après le jeu Rayman 2. Ah, la série animée est sortie après le jeu Rayman 2, d'accord. Moi, je savais pas. Tu m'apprends un truc, monsieur Pargo. Je savais pas du tout. Mais écoute, j'irai peut-être voir un de ces quatre, ce que c'est, à quoi ça ressemble. Même si je m'attends pas à un truc de fou, si c'est une série animée qu'on n'a pas parlé, c'est un peu comme Zelda et son dessin animé tout bizarre là que j'ai vu l'autre fois. Oh, incroyable. Allez, on y arrive. Hop. Hop. Et hop. Allez. On va s'occuper les caches qui manquent. Il y en a sur YouTube en français des épisodes. Oh là là. Faut que je regarde ça, un T4 à l'occasion pour me renseigner. Ok, d'accord. Je regarde un T4 à l'occasion. Ça peut toujours être intéressant de voir comment ils ont massacré un jeu aussi beau. Vous savez quoi les amis, je commence à ressentir la fatigue là, sur le live. Du coup, je vais finir ce monde. J'ai quand même déjà arrêté là et je referai un live d'une heure et demie demain quand même. Demain, je peux encore me le permettre. Je vais retrouver un créneau et je peux me le permettre demain après-midi. Parce que là, j'arrive pas à tenir debout, je suis crevé. Je pensais pas que j'allais être vite fatigué. Et donc, on va finir ce monde et puis on arrêtera de là. Je suis désolé, hein, mais c'est un choix personnel. Je préfère vraiment aller dormir et me reposer parce que ça va pas. Chaos. Je vais quand même finir le monde, histoire de quand même ça se fait pas.
Mais ouais, c'est un risque que j'ai pris de faire un live à cette heure-là. J'aurais peut-être pas vu, j'aurais peut-être dû le repousser à 17h, 18h. Après, c'est ce que je voulais pas trop jouer trop tard. Salut Coralis, comment tu vas? Et justement, Coral, tu tombes au bon moment. Mais pas de soucis, Coral, t'inquiète. Y'a pas de soucis, tu sais. Personne est obligé d'avoir une disponibilité. Hein. Tout, même si personne est sur le live, moi je ferai mon live comme il faut. Ouais. Pas de soucis, hein, je continuerai. Bon, si à moins je vois qu'il y a personne au bout de 10 lives, moi, je n'y a rien de problème. Mais voilà, y'a pas de soucis. Si vous avez des trucs à faire, n'hésitez pas. Hein. Sachant que mon live va pas durer non plus trop longtemps, ce que je disais à l'instant, je vais pas faire 2 heures de live complet, je vais en faire au moins 1 heure et quelques. On va arriver sur les 1 heure de live déjà, et puis bon, la fatigue elle commence à arriver petit à petit, j'avoue. J'avoue, je commence à être KO. Je suis pas un boss, t'inquiète. Je suis pas vraiment un boss, je trouve surtout c'est. Sauf que j'ai pris un risque, je suis un peu bête d'avoir pris le risque de vouloir faire un. Comment dire. Un live alors que je suis fatigué, hein. C'est vrai que tout le monde me l'a dit, va se reposer, etc. Et j'ai pris le risque parce que comme je savais pas si j'allais voir un live tout à l'heure, etc. Je me suis dit je vais faire un live quand même en début d'après-midi. Ah j'ai pas eu le EP, dommage. Bon on va voir son en bas, on va aller récupérer le turbo fier comme je l'appelle, dans le milieu. Allez c'est parti, on est reparti pour un tour. Cette fois on va aller au bon endroit et pas se tromper. Oh non mais... Il me troll aussi le truc là, je crois qu'on appelle ça, bah le turbo fier. Finalement j'ai trouvé une mongole fier et un turbo, un truc turbo. Hop. Et hop, on va y arriver. Oh non non, non 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 non. Oh non, je viens de perdre tous mes lums. Oh les amis. Nickel à part Choblo. Eh ben, bon courage, hein. Bon courage, je le courage. Hein. Petit au boulot. Bon courage à toi. Hein. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est un stream calme et à la fois assez dur à réaliser parce que la fatigue est là. Et assez calme puisque c'est des heures assez calmes de base. Et puis, on est lundi après-midi. Il fait chaud. Les gens profitent, ils ont raison. Moi je peux pas me permettre de profiter malheureusement, mais sinon j'aurais fait comme eux, je serais parti en mer, etc. ou je ne sais trop où. J'aurais été faire un petit tour. Bon là, je suis ici, hein, malgré tout. Et je fais quand même mon live, bon, moi ça sera fait. Puis on avance un peu Redman, bon on aura peut-être pas fait grand chose aujourd'hui sur Redman, hein, qui sait. Peut-être qu'on aura même rien fait du tout. Mais c'est le fait d'en faire, c'est toujours intéressant. Hop. Alors attends. J'avoue, il fait chaud. Ouais, il fait. Bon, moi, ça va, il fait pas chaud, mais je sais que dans la plupart des régions de France, il fait hyper chaud là. Hop. Oh non, je suis mort en même temps que lui. Je vais devoir reboot. Non, je dois reboot. Je dois reboot, les amis. Je suis dégoûté, je vais devoir reboot. Encore une fois. Alors, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais, les amis? Est-ce que je reboot ou est-ce que je continue quand même? Dites-moi. Là je suis perdu hein. Parce que je continue, je reboot. Bonne question. Je sais pas du tout. Ah bah le jeu il reboot tout seul. Ah je sais pas. Ah c'est compliqué Courail. Là j'ai. C'est pas le live de la chance. Hein. Et je pense que j'ai peut-être pris un risque de faire un live fatigué. Je pense que j'ai pris un gros risque. Du coup ça se ressent. J'arrive pas à bien jouer le. J'arrive pas à bien jouer sur Redman 1 là, ça se ressent. Hop. J'avoue la fatigue te tue. Ouais là la fatigue elle m'a tué là. Là je commence à. Ça commence à saturer ma résistance au sommeil là. Je vois que j'arrive plus à tenir comme il faut. Je vais dernière run là. Dernière run sur Redman sur ce niveau et puis je vais réformer en off la vie. En plus le 666 il fait peur. Bon ok. Non, je pense que j'ai pris un risque à faire ce live. Non, je pense que je vais dû arrêter. Bon, ça fait qu'une heure de live. Mais je vais dû arrêter mon live. Bon, c'est pas parce que c'est surtout parce que je suis fatigué et j'arrive pas à tenir le coup là. C'est pas parce que les game over ils viennent de là, je pense. Et je pense que j'arriverai pas à avancer aujourd'hui.
que je vais faire curry roll. Ouais, je suis désolé les amis, hein. Vraiment c'est un petit live très calme et très court. Mais je reporte 1h30 de live pour demain. Allez, si demain j'ai rien de prévu, demain ou mercredi, je reporte et je le ferai vers 16h-18h dans ces eaux-là. Je préviendrai avant sur Discord ou... Je préviendrai sur Discord ou moi-même en privé avec mon modérateur, etc. Mais surtout sur Discord, et vous êtes au courant là avec le live, je liverai demain mercredi pour me rattraper. Là j'ai récupéré ma fatigue les amis, je suis désolé. En tout cas j'espère que ça vous a plu les amis de ce petit live. Ouais bon, c'est un petit live, mais au moins je prends pas le risque. Je suis désolé en tout cas, merci en tout cas d'être passé, hein, les personnes qui sont passées aujourd'hui. Ça fait super plaisir de vous voir comme d'habitude. J'ai pas fait grand chose sur le live aujourd'hui, mais je pense que pour le prochain live, je vais farmer les vies de mon côté et je reviendrai avec plus de vie et moins de fatigue et reviendrai plus fort et avec plus de peps, je pense. Bref, je vais pas raid quelqu'un aujourd'hui, je pense que je vais juste couper le live là. Surtout, je pense qu'il y a personne à raid. Personne n'est en live, je pense. En plus, j'ai pas eu de notif que quelqu'un était en live en particulier. Du coup, je vais vous laisser. Je vous dis merci à tous pour votre présence. Merci pour l'amour que vous donnez, vous êtes hyper gentils. Et on se retrouve pour Rayman, mais cette fois avec un peu plus de farming. Je dirais demain ou après-demain, entre 16h et 18h, soyez présents. Je vous aime fort. Ciao tout le monde.